Well, they gave him his orders in Monroe, Virginia, saying, Steve, you're way behind time. This is not 38, but it's old 97. You must roll her into Spencer old time. Agent told me where I'm going, and Tom and KK got the match. The Steelers on my car TV, and Henry riding in my lounge. Said hello Sunday, hello road. Lord, what would my grandma say? Salut tout le monde, on est toujours en Birmanie pour cette deuxième vidéo. On est dans la partie nord du pays, pas très loin de Mandalay. Et plus exactement dans le train qui mène de Pioline à Sipo. Donc le train met à peu près 6 heures pour faire moins de 200 km. Donc on a le temps. Donc on va aller voir un petit peu dans le nord du pays, voir comment ça se passe et si c'est toujours aussi facile de jouer de la musique avec les gens. Et donc d'ici là, on a le temps d'apprécier les paysages. Voilà, bah, le train a déraillé, ça fait peut-être une heure et demie ou deux heures. Donc je vous laisse avec Nico et un morceau de guitare. Le train va repartir un jour, mais pas aujourd'hui, peut-être demain. Dans une semaine ou dans un mois, peut-être demain, l'année prochaine. Qui le sera, le train a déraillé.
Alors ce pont a une légère particularité, c'est que c'est un pont centenaire, il date de 1900, construit par les Britanniques, et il est fait en bois. Et donc les trains passent souvent dessus, jusqu'au jour où pouf, plus de pont. Donc j'espère que ce sera pas aujourd'hui, quand on sera dessus. On est toujours dans le train, ça fait 11 heures maintenant qu'on est parti. Je sais pas, on doit être pas loin de la Chine ou un truc comme ça. On espère arriver dans les 2-3 heures qui arrivent, peut-être. Donc on a plus de paysage, il fait nuit maintenant, mais ouais. I'm not a good singer. No problem. Okay. You can try it. Oh, Wimbleware. Good teacher, yeah. Country world. Sur cette deuxième vidéo en Birmanie, on peut déjà dire qu'on a passé pas mal de temps dans les transports. Ben ouais, ici les transports en fait c'est une journée, hein, que ce soit le bus, le bateau, la calèche, le train, c'est une journée, que ce soit 50 km, 200, 600, une journée, faut prévoir, voilà, faut le savoir. Bon après les paysages sont toujours aussi beaux, le soleil brille toujours autant, les bières sont vraiment très fraîches, les gens sont toujours contents de jouer de la musique avec nous, et puis en plus il y a d'excellents canards cygnes. On va vous laisser avec des images de notre croisière. Ouais, notre croisière sur l'Irrawaddy, des images surprenantes. On vous laisse découvrir ça et on vous dit à la semaine prochaine. Et bonne bière. Et bonne bière, voilà. Cette petite sortie en mer est incroyable. Rien de tel pour se rafraîchir les poumons. De l'iode, l'air marin, l'air salin. N'est-ce pas, les gars ? Oh, c'est pas vrai ça, j'aime bien la mer, moi. J'aime bien l'eau, j'aime bien les frites, hein. Mais il nous manque quelque chose, hein. Léonard, j'ai entendu un bruit qui vient d'en bas. C'est mon imagination, t'as entendu? Ta gueule! Tu la fermes, tu me laisses dormir. Hein.
ce bateau. Toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est rien du tout. Mais pourquoi tu dis rien? Putain, mais c'est normal, je parle à un téléphone qui a plus de batterie. Thank you.